tout le monde, c'est Sortex, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le recrutement du crew de Smoke Santos, donc qui est un crew de Xbox One et seulement de Xbox One. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on va apporter le sujet, aborder le sujet de des conditions, puis en fait comment faire sa candidature. Donc premièrement, je veux juste vous dire que le crew, il a pas juste été inventé par moi, il a aussi été inventé par Rico. Donc je vous le présente un peu. En fait, c'est je le connais depuis quand même un an environ. Il avait fait un crew GTA 5 avant. Je l'avais rejoint, puis c'était vraiment c'est ma source d'inspiration pourquoi je voulais faire ce crew. Ce crew, parce qu'en fait c'était vraiment un vrai crew. On se parlait souvent, on était quand même plusieurs. C'était vraiment le fun. Et puis, c'est pour ça un peu que je voulais créer ce crew. Donc en fait, moi, c'est ça, j'ai comme pensé à ça, je voulais créer un vrai crew, puis en même temps, les braquages arrivaient, je voulais faire un vrai crew. Pas un crew que tu rejoins, puis que t'as pas de contact avec les gens, vraiment qu'on parle avec. Sinon, lui, il m'a dit que, quand je l'ai contacté, qu'il voulait, qu'il était intéressé, qu'il voulait faire... comme avant, hein, comme quand il avait fait son crew. Donc on va pas trop parler du crew, mais en fait il y aura le logo. C'est un crew, c'est pas un crew normal, c'est vraiment un crew qu'on se parle souvent, qu'on discute. Voilà, vous allez voir dans les conditions. Donc justement on va parler des conditions. Donc c'est pas des grosses conditions, mais s'il y en a quand même. Donc première condition, avoir 14 ans et plus, ça c'est pas négociable, malheureusement pour certains, mais parce que sinon on se retrouve avec des enfants, puis je dis pas que 13 ans t'es un enfant, mais il y en a que oui, et puis ça me tente pas trop. Deuxième chose, avoir Skype, très important parce que nous, c'est un crew avec des, on est deux youtubeurs. Et puis, des youtubeurs, ça fait des vidéos. Puis pour faire des vidéos avec des personnes, puisqu'on peut pas capturer sur Xbox One, la voix des amis, du monde, on capture sur Skype. Et puis c'est pour ça qu'il faut avoir Skype obligatoirement. Deuxième chose, avoir un bon micro. Un bon micro, quand je dis un bon micro, c'est pas ta webcam, hein. C'est pas qu'on entende des bruits de fond, puis que c'est de la grosse merde, sérieux. Un bon micro, vraiment, je pense que vous comprenez. Ensuite, deux points, on va pas aborder le sujet grandiosement, mais être mature, puis être actif un minimum. Sinon, pour faire sa candidature, donc ça, je tiens à le dire, admettons là, que, parce que c'est par Skype la candidature, puis admettons que vous l'écrivez dans les commentaires, ok? Ah, oh, je veux être recruté, s'il te plaît, merci. Là que je t'écris, c'est par Skype, puis là tu me refais ta candidature par Skype, c'est sûr que c'est non, c'est sûr, et même si t'écris une belle candidature, c'est sûr que c'est non, parce que ça va me dire, j'ai pas écouté ta vidéo, je m'en fous un peu, je veux juste rejoindre un crew, donc c'est sûr que c'est non. Mais sinon, par Skype, c'est quoi? En fait, tu te décris, tu peux écrire, t'en écris plus que pas assez, hein. Pas obligé d'écrire un dictionnaire, mais écrisant quand même pas mal, genre ton micro c'est quoi, ça fait combien de temps t'es sur GTA, ton âge, plein de choses comme ça qui peuvent servir. Je peux donner d'autres exemples comme c'est quoi, je sais pas c'est quoi en fait, mais bref voilà. Puis, dès que tu m'envoies le message, parce que, en fait, mon Skype est dans la description, soit tu l'envoies ta candidature à moi ou à Rico. Vraiment, soit un ou l'autre, parce que sinon, on peut se mélanger et tout. Donc, de toute façon, les deux, on est actifs. Tu nous l'envoies. Donc, tu sais, quand tu nous ajoutes, il faut que tu écrives un message. Donc, dans le message, justement, tu écris ça. Nous, quand on rentre en contact, admettons qu'on dit ok, on va souvent t'écrire ajoute-moi sur Social Club. On va t'envoyer le Social Club, le crew. Tu vas faire ton envoi, tu vas envoyer ta candidature, pas ta candidature, mais ta demande. On va t'accepter. On va parler avec toi, on va jouer tout. Direct, t'es accepté. Mais tu sais, dans les débuts, si on voit que
tu réponds pas aux critères, ben on va tout simplement t'expulser. Bon, ça m'étonnerait qu'on fasse ça, là. Avoir 14 ans, tu peux pas vraiment mentir sur ton âge. Bon, avoir Skype, tu peux pas mentir là-dessus si faut que tu fasses ta candidature là-dessus. Puis avoir un micro. C'est vraiment les trois les plus importants, sinon être actif puis être mature. Ben voilà. Puis être mature, c'est pas être sérieux, puis pas parler. Non, c'est avoir du fun. Nous, on veut avoir du fun, rire et tout. Juste quand c'est le temps qu'on dit, ok, on fait une vidéo, on aimerait ça être sérieux, ou mettons, on fait un braquage, on veut être sérieux. Ben là, c'est le temps d'être sérieux. Tu sais, c'est pas ah ouais, on s'en fout, let's go, on fait des jokes. Non. Okay, c'est immature, voilà, je pense qu'on le décrit bien. Et puis voilà. Donc c'est pas mal tout pour la vidéo. Donc je répète, pour votre candidature, vous en écrivez plus que pas assez sur Skype. Les Skype sont dans la description, soit à moi ou à Rico. Et puis voilà, après ça on peut vous écrire. Et puis c'est pas mal tout. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo et à vous abonner. Sinon aussi, allez liker mon Twitter. D'habitude, je suis Facebook, mais bah là, je suis beaucoup plus actif sur Twitter. J'ai compris Twitter. Et puis, j'aime beaucoup plus ça que ma page Facebook. Donc, je suis plus actif sur Twitter. Mais sinon, vous pouvez liker ma page Facebook. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!